Donc notre idée aujourd'hui, c'était de repartir, de vous soumettre finalement une idée, une notion qu'on travaille l'un et l'autre de manière différente, qui est celle d'habitabilité. Alors vous allez dire, ça y est, c'est les universitaires qui arrivent avec leurs gros mots, là, on ne comprend rien, habitabilité, c'est quoi? Donc bah, on va un petit peu décrire ce que c'est, et puis il nous semblait que cette notion-là, elle pouvait être une notion intéressante pour vous et puis pour les gens avec qui vous êtes en contact, pour réfléchir justement dans le cadre de la révision de cette charte que vous allez avoir à mener, et parce qu'il nous semblait que c'était une notion assez riche qui regroupe de très nombreux domaines que vous avez déjà commencé à évoquer, et qui en même temps peut être un fil conducteur intéressant parce que il invite à se projeter dans l'avenir. Donc je vais... Alors simplement, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que notre présence ici, c'est une commande du PNR. Donc on est membre du CSP, on est membre du conseil scientifique prospectif, mais on nous a fait cette demande donc de réfléchir et aux grands enjeux qui touchent le PNR, et en particulier de venir un petit peu développer cette notion d'habitabilité avec vous. Donc on l'a choisie parce que, je vous le disais, elle nous semble particulièrement intéressante, notamment parce que la notion d'habitabilité, je vais revenir un petit peu plus dans le détail, mais elle met vraiment l'habitant au cœur de la perspective, au cœur de la réflexion. Ça nous semblait intéressant de partir des habitants de ce parc, et puis aussi parce que c'est une notion qui invite à se projeter dans le long terme et à penser les choses, je dirais, dans le long terme, en cherchant finalement à embrasser ce qui peut paraître comme comme parfois des contradictions ou parfois des tensions, ces tensions sont entre les divers publics qui habitent le parc ou qui utilisent le parc, et ce sont aussi des tensions qui existent finalement entre les différents usages, entre les différentes aspirations, entre les différentes volontés aussi des individus, et donc des demandes qui peuvent être contradictoires entre elles ou paradoxales entre le court terme et le long terme. On va y revenir dans tout cet exposé dans le détail. Donc la notion d'habitabilité nous semblait intéressante pour vous montrer que finalement un PNR devrait être un territoire où il fait bon vivre, mais pas à n'importe quel prix. Et cette notion d'habitabilité, elle interroge ce à quel prix, avec quel modèle on veut penser son territoire. Habitabilité, vous l'avez compris, ça n'est pas habitation, ça n'est pas l'habitat, même si ça peut faire référence à cette notion d'habitat qui est à la fois votre logement et puis qui est aussi l'habitat écosystème, hein, et l'habitat qui accueille une faune, une flore spécifique. Ça n'est pas l'habitation. C'est finalement la potentialité d'être habitable. Hein, l'habitabilité, ce serait la propension et la qualité offerte par un territoire pour être habitable par tous, dans le court comme dans le long terme, et en conciliant finalement différents enjeux. Alors, ce qui veut dire qu'on va vous parler un petit peu plus en détail de l'habitabilité, et puis ensuite on va vous montrer que cette habitabilité, elle interroge des grandes tensions. Donc on aura quatre tensions différentes. Et puis on finira par une question un petit peu plus conclusive et méthodologique. Alors on a indiqué précaution d'usage de cette intervention. On est un peu sur un fil, hein. On vous présente un fil rouge et puis nous on marche un peu sur un fil, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas rentrer dans le détail. En même temps, on voudrait ne pas être ni trop jargonneux, ni trop abstrait, donc on voudrait essayer d'être un peu concret. Pour autant, même si on est voisin du parc et qu'on y vient souvent, on y vient avec les étudiants, on y est fréquemment et très bien accueillis, on n'a pas forcément nos terrains de recherche ici ancrés profondément, donc on connaît moins bien que vous ce territoire. Donc on ne voulait pas non plus aller sur des exemples de votre territoire qu'on aurait
qu'on aurait mal maîtrisé. Donc on va essayer de faire un petit peu le lien entre ces deux pôles, sachant que on a aussi choisi à la fin sur chaque tension, sur chaque aspect qui nous semblait important, vous adresser ce qu'on a appelé des questions, quoi. C'est-à-dire que on s'est dit, nous à votre place là, si j'étais assise de l'autre côté, quelles questions je me poserais et quelles seraient les questions intéressantes à se poser pour se projeter en 2030, 40 et pourquoi pas en 2050. Donc voilà, c'est des questions qui sont évidemment pas exhaustives. Il a fallu qu'on en choisisse, donc il y en a quelques-unes. On en avait d'autres dizaines en tête. Donc évidemment, après, la parole est à vous et le débat est complètement ouvert. On prétend pas du tout ni vous apporter des, on n'apporte pas de réponse. Hein, on vient soulever des questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition de l'habitabilité, quand même, s'il faut vous donner une définition un peu plus précise? Eh bien, l'habitabilité d'un territoire, c'est les qualités d'habiter le territoire. C'est donc considérer les conditions de bien-être, de bien vivre dans cet espace, d'accord? Donc, à la fois dans le ressenti, à la fois dans les activités qu'on peut avoir. Et ça va se traduire à la fois à un plan individuel, mais aussi au plan collectif. Et on va revenir sur les tensions que ça génère. Donc une fois qu'on a dit ça, on dit oui, bon, ça, c'est le monde des bisounours alors, hein, tout est beau, tout est parfait, tout est bien, et c'est ce qu'on voudrait tous. Et évidemment, ça demande à s'interroger sur qu'est-ce qui va aider, qu'est-ce qui va faire qu'effectivement on va pouvoir réfléchir et travailler une habitabilité qui soit bienfaisante et qui soit positive. Eh bien, ça veut dire identifier un certain nombre de ressources qui sont les ressources territoriales, qui ne sont pas seulement matérielles, hein, qui peuvent être aussi symboliques. La capacité des habitants à se les approprier, parce que vous le savez, des ressources peuvent exister, mais encore faut-il les connaître, en faire bon usage, en avoir l'usage. Et puis, c'est aussi la capacité des politiques publiques à identifier et à répondre aux demandes des habitants, à créer du lien social, et puis à finalement construire une identité collective et finalement à produire du récit aussi sur le territoire. Donc on n'est pas seulement dans le faire et dans le qu'est-ce qu'on développe où, mais on est aussi sur comment on le pense cet ensemble et comment on tisse des liens entre une demande individuelle, un bien collectif, entre différents volets du développement local, entre différentes populations qui existent. Alors, pour n'ayez pas peur, mais du coup, la systémique aime bien faire des schémas. Là, on a repris un schéma qui n'est pas de nous. Et simplement, et je vais passer la parole à Laurent juste après, simplement pour vous rappeler un petit peu ce qui pourrait constituer justement les différents éléments de l'habitabilité, mais qui pourraient s'appliquer aussi à d'autres termes. D'un côté, donc, en bleu, vous avez une grande flèche bleue qui vous rappelle qu'on s'inscrit dans un cadre matériel. Donc ce cadre matériel, c'est quoi? C'est autant la Loire, le réseau hydrographique, que les paysages, que l'occupation du sol, et puis c'est aussi les infrastructures. Les routes, les infrastructures de transport, le bâti, etc. Ça, c'est le cadre matériel, donc c'est à la fois les objets, et puis c'est aussi les réseaux. Ce cadre matériel, hein, qu'on peut penser comme une base des activités, eh bien, il évolue, il est impacté par un cadre institutionnel qui est marqué ici en vert. Ce cadre institutionnel, c'est à la fois les grandes institutions de l'État, ce sont les lois, les règles, etc. Et puis, ce sont aussi les choix de société qui sont faits, les choix d'organisation de la société, du territoire, de la société civile aussi, donc également finalement les modèles économiques qui sont retenus. Mais ça, c'est de grandes dimensions, vous les connaissez, je pense, elles vous sont relativement familières. Celle qu'il ne faut pas oublier, c'est un peu la dimension qu'on a appelée ici mode de vie, qui consiste à s'interroger sur, une fois qu'on a pris en compte la dimension matérielle, la dimension institutionnelle, eh bien, qui est là, qui agit? Quelles sont les habitudes? Quels sont les modes de vie? D'accord? Quels sont finalement, quels sont les comportements au quotidien? Quelles sont les pratiques? Mais aussi, quelles sont les valeurs? Quelles sont les représentations que les gens portent? Et quelles sont les valeurs qui sont associées au territoire? Et donc là, on est dans quelque chose qui peut être aussi complètement symbolique. Hein, finalement, le symbolique et le matériel vont se croiser. Donc ça, c'est une approche globale, finalement, de ce que peut être l'habitabilité en tant que système. Et du coup, il y a, si on l'applique à l'habitabilité, il y a des questions qui se posent et que Laurent va vous développer.
Oui, merci Marion. Donc, du coup, effectivement, l'habitabilité, si on la met au centre, et en termes de méthode, pour y réfléchir, il faut réinterroger effectivement toutes les dimensions, puisque chaque dimension participe d'une certaine manière à la construction de l'habitabilité. Si on prend effectivement l'axe cadre matériel, conditions matérielles d'existence, ou même conditions territoriales d'existence, effectivement, et qu'on prend l'exemple des infrastructures, des réseaux, l'exemple aussi des services, des équipements, évidemment, ce sont des conditions majeures de l'habitabilité d'un territoire. Dans des espaces de basse densité ou de densité intermédiaire, hein, la question effectivement de l'offre de mobilité dans une société d'accès ou dans une société où les territoires sont de plus en plus interconnectés, c'est une question effectivement déterminante, comme la question d'accès numérique. Donc ça, effectivement, c'est cette dimension matérielle d'équipement, d'infrastructure, de services aussi, et ce partage sur lequel je reviendrai entre services locaux disponibles sur le territoire et services accessibles, hein, dans d'autres territoires, est une question effectivement centrale pour penser l'habitabilité des territoires. Si on prend le deuxième axe, cette habitabilité, elle dépend aussi de la forme des régulations politiques, hein, sur le territoire. Et ça relève de l'intention politique, c'est-à-dire quelle finalement politique locale on met en œuvre, quelle part par exemple on accorde à la participation citoyenne, et la participation citoyenne c'est une grande boîte dans laquelle on voit il y a plein de manières de faire de la participation. Donc effectivement on peut réfléchir en quoi les formes locales d'exercice du pouvoir peuvent effectivement contribuer à donner une valeur au territoire, puisque la notion en fait d'habitabilité, elle interroge la valeur d'un territoire. Et en distinction ou en regard d'autres territoires, hein, et aussi dans une logique de singularité, de singularité ou de distinction. Cette question, effectivement, c'est aussi celle du modèle local de développement économique, la part qui est faite, par exemple, au capital circulant, ou la part qui est faite, à l'inverse, à la territorialisation de l'économie, à l'économie sociale et solidaire. Donc l'habitabilité, ça aussi, ça interroge concrètement la manière dont on développe économiquement le territoire, on pense l'emploi, on pense les retombées des richesses, etc., sur un territoire, dans une logique qui, effectivement, doit être sous-tendue par la mise en perspective des profits pour l'habitant, et, ou les habitants, si on considère qu'il y a une grande diversité d'habitants. Et puis, il y a effectivement cet axe mode de vie, c'est-à-dire, finalement, un territoire doit penser aussi, les modes de vie qu'il souhaite promouvoir ou soutenir ou reconnaître, la diversité des modes de vie qu'il souhaite accompagner et rendre possible, ça veut dire les identifier, les envisager, parfois les potentialiser, hein, puisqu'effectivement, parler habitants, c'est parler aussi de la possibilité d'inscrire dans un territoire une diversité de modes de vie. Et c'est penser aussi, et je pense que c'est le pôle qui est le plus important dans le schéma, c'est penser la question de la valeur, des représentations, de l'image d'un territoire. C'est-à-dire qu'un territoire, hein, c'est d'abord une représentation collective, c'est d'abord, en tout cas sa valeur tient en partie à son image, et son image tient à sa mise en récit. Et le récit, chez Ricoeur par exemple, c'est la chose qui intègre finalement, qui relie, qui met en cohérence tous les éléments du territoire. Alors, évidemment, les grandes métropoles, aujourd'hui, ont leur récit. Il y a même une débauche de récit territorial. Une des critiques qu'on fait souvent, c'est que le récit est déconnecté des réalités matérielles. La question, déconnecté de différentes dimensions. Donc la question, effectivement, quand on produit un récit, c'est justement que le récit soit une forme de mise en cohérence, et d'éviter justement les dissonances, c'est-à-dire que si on porte un discours sur la transition, hein, effectivement, il y a des choix qui par ailleurs doivent être cohérents avec ce discours, tout doit venir s'intégrer pour produire de la valeur territoriale. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer que l'habitabilité, ça permet de réinterroger plein de dimensions du fonctionnement d'un territoire. Alors maintenant, on va arriver aux tensions qu'on va présenter un petit peu rapidement. Et cette habitabilité, elle permet justement de penser l'articulation et de résoudre, enfin d'essayer de tenter de résoudre, hein, des tensions, et notamment la tension entre les aspirations individuelles. On est dans une société d'individus. Chacun a,
à des aspirations territoriales et d'abord en termes d'habité, d'aspiration résidentielle, hein, de confort résidentiel, qui parfois est en contradiction avec eh bien, l'intérêt collectif. Et une des manifestations de ça, c'est notamment dans les espaces périurbains, mais aussi dans les campagnes, hein, plus éloignées des grandes villes, cette contradiction entre le modèle de la maison individuelle avec jardin et puis l'étalement urbain, qui effectivement, par certains aspects, en termes de consommation d'espace, en termes d'étanchéification des surfaces, en termes d'affaiblissement esthétique des espaces, en termes de standardisation, effectivement, peut être considéré comme une atteinte, hein, et effectivement, à un capital collectif. Alors, l'enjeu, c'est, vis-à-vis de ces tensions, qu'on retrouve dans le champ, par exemple, de la mobilité, entre la nécessité aujourd'hui de se déplacer, c'est une valeur positive, la mobilité, et effectivement, la nécessité de se départir en partie de l'automobile, en tout cas de l'auto-solo. Donc, la question, c'est de, pour se sortir de ces tensions, c'est effectivement déjà considérer qu'on peut aller au-delà de ces tensions, en tout cas, les contradictions ne sont pas insurmontables, qu'effectivement, en approfondissant la connaissance des modalités, on peut effectivement lever, par exemple, identifier que dans l'aspiration à la maison individuelle, c'est l'intimité ou le jardin qui est valorisé, mais que ce n'est pas exclusif, par exemple, de formes d'habitat plus dense, plus compact. Et d'ailleurs, dans les bourgs anciens, eh bien, il y a souvent des qualités résidentielles qui sont très convoitées, très recherchées. Hein, et on sait que dans les bourgs anciens, la moyenne des surfaces de jardin, c'est 300-400 mètres carrés, et que la mitoyenneté des maisons assure une compacité qui est plutôt respectueuse du développement durable. Donc, effectivement, cette réflexion sur les modes d'habiter, sur un peu fine, doit amener à penser de l'innovation, hein, de l'innovation dans les manières d'habiter, dans les manières de se déplacer, et doit aussi amener à penser la diversité des réponses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer de la condamnation d'un modèle, par exemple le modèle de la maison individuelle ou le modèle du tout voiture, au fétichisme d'un autre modèle qui serait par exemple la réification du vélo. Il faut effectivement envisager la diversité des formes d'adaptation possibles, et ça c'est effectivement une des manières d'envisager cette résolution ou cet affaiblissement de la tension entre demande individuelle et bien commun. Marion va présenter la deuxième tension. Deuxième tension, donc, c'est celle entre le temps court et le temps long. Finalement, comment penser à la fois une habitabilité du temps, du moment présent, et comment penser l'habitabilité de demain. Et ça vous était rappelé tout à l'heure, cet exercice de charte pour 15 ans pose vraiment cette question. Donc, comment préfigurer l'habitabilité de demain? Alors, ça se pose dans un grand nombre d'exemples. J'ai quand même voulu rappeler, alors là, on est aussi sur du temps court, temps long, mais dans le passé. Si on prend par exemple l'exemple des pratiques agricoles finalement qui ont été développées ces 50 dernières années, si vous prenez le cas des haies par exemple et de l'arrachage des haies, hein, qui intervient à partir des années 50-60, qui s'intensifie dans les années 70 et puis 80, au nom d'un modèle économique, hein, d'une intensification de la production, on arrache des haies, et puis 30, 40, 50 ans après, on a des problèmes de perte de sol, on a des problèmes d'érosion, de lessivage, il devient plus cher de produire parce que les sols ont perdu leur fertilité, on a perdu un certain nombre de paysages aussi, et donc on en arrive de nos jours à replanter des haies, à se poser la question de l'articulation de la filière bois et de où aller chercher du bois. On a perdu en biodiversité, on a perdu des espèces parce que ces haies, elles nourrissaient un certain nombre d'espèces, elles abritaient aussi toute une diversité, notamment floristique, hein, d'herbacées, d'arbustes, etc. Et donc finalement, on en vient maintenant à se poser la question de réintroduire l'élevage, de favoriser des systèmes productifs locaux avec une polyculture, etc. Donc
une remise en question de ce qu'on a pensé être le modèle qu'il fallait développer il y a 40 ou 50 ans. Je ne parle même pas des effets sur la santé, je ne parle pas des effets sur les agriculteurs, etc. Vous voyez que le sujet est évidemment très vaste. Donc, penser le aujourd'hui et puis le demain, et penser après-demain et encore après-demain, c'est vraiment une tension importante quand on s'interroge sur l'habitabilité. Autre exemple qu'on peut se poser maintenant par rapport au risque notamment lié au changement climatique. En tant que PNR, vous êtes déjà emparé de cette question du changement climatique, mais vous allez être évidemment amené à vous projeter encore plus loin. Donc, dans le changement climatique, il y a la question déjà de ce vers quoi on peut se projeter, puis il y a aussi une question d'inconnu, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a aussi, au-delà de l'incertitude, il y a sans doute des effets inconnus du changement climatique qu'on a du mal à prévoir. Mais si on en reste sur ce qui est connu, on peut réfléchir d'une part alors, aux inondations. C'est beaucoup les inondations qui sont mises en valeur de nos jours, suite à Xynthia, dans la réglementation, etc. On entend beaucoup parler d'inondations. Donc, comment on gère la question de l'inondation? Est-ce qu'on continue à relever ou à entretenir des digues, ce qui coûte très très cher, ce qui risque de coûter de plus en plus cher? Est-ce qu'on continue à mettre derrière des digues des populations, des activités, donc des enjeux finalement économiques forts, avec le risque que soit les digues soient très chères à entretenir, soit aussi qu'elles cèdent ou qu'elles soient mal entretenues, et que donc, du fait du changement climatique et du plus grand nombre d'épisodes extrêmes, eh bien, il y ait davantage de catastrophes. Et puis ce, peut-être à quoi on pense un petit peu moins, ou qui en tout cas est moins sous le feu des médias, c'est les questions de sécheresse qui peuvent être aussi des épisodes sur des temps plus longs. C'est-à-dire, que fait-on pour faire face à la sécheresse qui pourrait être aussi une des conséquences de la hausse des températures liées au changement climatique? Et donc, quel modèle pense-t-on agricole, par exemple? Comment pense-t-on nos forêts? On parlait de la calarose Dufresne tout à l'heure. Comment pense-t-on nos forêts? Quelle agriculture pense-t-on? Quelle viticulture pense-t-on aussi, hein, quel cépage imagine-t-on dans ce cadre-là? Et puis, comment pense-t-on les forts étiages et comment pense-t-on le refroidissement des centrales nucléaires, par exemple? Donc, une des questions qu'on se poserait à votre place, c'est comment anticiper le repli des activités nucléaires en France? Si on le pense à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, sans forcément être dans la question d'être pour ou contre, hein, mais comment se projeter soi-même et faire se projeter les acteurs de votre territoire dans le changement climatique, vis-à-vis par exemple du retrait du nucléaire? Est-ce qu'on peut concevoir un autre tissu économique sans la centrale ou avec une autre centrale qui de toute façon ne pourrait plus refroidir ses réacteurs du fait des étiages? Est-ce qu'il y a un risque de déclin par exemple des services publics dans le territoire, et comment est-ce qu'on peut l'anticiper? Qu'est-ce qu'on peut penser? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas commencer à penser à un récit, justement? Vous voyez, on parlait de valeur, on vous parlait de représentation. Est-ce qu'il y a aussi un récit finalement du poste nucléaire? Et est-ce que pas vous, mais vos enfants, vos petits-enfants raconteront: ah ben moi déjà, mon grand-père à l'époque, ils avaient commencé à penser l'après, hein, comme on a si on regarde derrière nous, qui il y a 100 ans aurait pensé raconter l'après charbon en France, hein? C'est des choses qui paraissaient inenvisageables et qui le deviennent. Donc ça, c'est par exemple une des questions, et je passe la parole à Laurent pour la troisième question. C'est une tension extrêmement classique en aménagement, c'est effectivement la tension entre les différentes activités, les différentes logiques d'aménagement des territoires, et notamment la tension entre la logique de protection, de préservation, de patrimonialisation, et puis la logique de développement. Et je crois que c'est important aujourd'hui de dire que ça peut être une tarte à la crème, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a plein de territoires, on voit qu'il y a encore des dissonances extrêmement forte, hein, qui s'opère. Et je voudrais juste relater, parce que prendre des exemples extérieurs, ça fait aussi réfléchir sur son territoire. Le Briançonnais, qui depuis 3 ans touché par un grand projet de modernisation du réseau à haute tension. Hein, donc c'est un territoire très spécifique, c'est un territoire de montagne
qui est couvert en partie par une zone périphérique d'un grand parc national qui est le parc Les Écrins, qui est en lisière du PNR du Queyras. Donc vous voyez que c'est un territoire très très patrimonial avec une grande grande qualité paysagère. Et dans ce territoire, RTE a décidé de reconstruire deux THT en place du vieux réseau, avec un impact paysager extrêmement majeur, puisque sur 80 km entre Gap et Briançon, il y a plus de 300 pylônes de 40 mètres, ce qui fait en moyenne 3 ou 4 pylônes par kilomètre, avec surtout une déforestation majeure d'une bande de 150 à 200 mètres le long des THT, et puis évidemment beaucoup d'opérations d'artificialisation pour l'accès à la THT. Et effectivement, ce projet a entraîné effectivement une contestation locale très forte, et là pour le coup un divorce entre les élus qui ont cédé un peu aux sirènes de RTE et notamment aux compensations qui ont été proposées, et une grande partie des habitants de ce territoire, beaucoup de néo-résidents, beaucoup aussi de résidents secondaires. On est dans un territoire très touristique, mais où la dynamique résidentielle est beaucoup alimentée par la qualité paysagère, qui effectivement est extrêmement hostile. Donc on est dans un territoire qui pousse à la caricature, vous voyez cette contradiction entre une logique patrimoniale qui est au cœur, qui est le moteur du développement local, et puis effectivement des logiques de développement ont aussi leur logique argumentaire. Donc ça fait réfléchir quand même sur la nécessité de toujours penser l'articulation, la cohérence entre les différentes logiques du développement. Et quand on a un territoire patrimonial, quand on mise sur la qualité paysagère, il faut effectivement ne pas perdre ce cap en perspective pour réfléchir effectivement à l'avenir du territoire. Alors évidemment, cette contradiction, on peut la lever dans plein de dimensions, en matière agricole, etc., en matière industrielle. Effectivement, ça soulève toujours plein de questions. Et puis donc, dernière tension sur laquelle on voulait vous interpeller, c'est les tensions qui existent finalement entre les types de publics qui vont être présents dans un parc. Et donc la question, c'est un petit peu à la fois, et ça va dans le même sens que ce que vient de dire Laurent, c'est à la fois finalement le développement d'une plus-value territoriale, et donc un territoire qui va avoir une valeur et qui va peut-être être attractif, et le risque de délaisser aussi un certain nombre de populations, soit du fait de situations finalement de paupérisation, mais aussi de marginalité ou de stigmatisation. Population qui risque de ne, qui finalement pourrait être dans une situation de ne pas avoir accès à cette ressource territoriale. Et j'ai encore employé un gros mot, mais on parle de capacité des habitants, par exemple, à accéder à la ressource territoriale. Et vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de capacité. C'est un peu comme l'habitabilité, hein, la capacité. L'idée de la capacité, elle me semble intéressante, c'est que à la fois on peut avoir des capacités d'accéder aux ressources, on peut avoir des capacités financières, on peut être riche, on peut être tout ça, et puis on peut pouvoir se payer quelque chose, mais ne pas savoir qu'on peut se le payer, ou ne pas savoir qu'on peut aller chercher des aides, ou ne pas savoir où aller les chercher, ou ne pas savoir pour qui voter, parce que finalement, on n'a pas, d'une manière collective et d'une manière individuelle, quelque chose qui n'est pas forcément monétaire, mais qui ne nous permet pas d'accéder finalement à une ressource qui peut être toute culturelle et sociale, et pas seulement financière. Donc, dans les PNR, il nous semble qu'il y a aussi cette question qui se pose d'un risque de fragmentation et de construction finalement d'une inégalité au sein du territoire entre des populations qui seraient favorisées, qui seraient venues attirées par de beaux paysages, par une qualité de vie, par un cadre de vie intéressant, par un tissu économique ou un tissu associatif, et avec des modèles économiques, justement, on a parlé de modèles économiques et d'économie sociale et solidaire, qui seraient attirés par cet aspect-là. Et en marge, dans ce territoire, on peut aussi trouver des populations qui, elles, seront au contraire des populations très fortement vulnérables du fait, cette vulnérabilité, elle peut être économique, et puis je le dis encore, elle peut être aussi sociale et culturelle. Par exemple, si on se pose la question d'un développement agricole, on peut se demander quels agriculteurs il va rester, pour quelle agriculture
dans un territoire? Est-ce qu'on pense le développement du territoire pour les grands agriculteurs ou ceux qui sont en AOC ou ceux qui sont dans des châteaux? Je ne parle pas d'ici, hein. Ou bien est-ce qu'on pense aussi le développement et est-ce qu'on pense l'habitabilité pour des agriculteurs qui sont dans des situations plus difficiles, qui sont en monoculture et qui sont étranglés par les dettes, ou qui produisent pas, qui sont pas dans l'AOC, ou qui sont des forestiers et qui ont d'autres problématiques à gérer. Donc est-ce qu'on se tourne vers le no-tourisme international et est-ce que le débouché c'est le négoce international, ou est-ce qu'on pense aussi un développement du commerce local, de la vente directe, et finalement que, de cette manière-là, comment on prend en compte des types de populations qui sont pas forcément déjà les plus inscrites et les plus ancrées dans les modèles de développement. C'est vrai aussi pour d'autres populations rurales qui peuvent être marginalisées. En préparant cet exposé, on pensait notamment, par exemple, soit à des populations marginalisées qui ont peu de revenus. On pensait aussi, par exemple, aux populations de gens du voyage sédentarisés qui sont... Dans le PNR, je m'y aventurerai pas, je connais pas les terrains, mais dans l'agglomération de Tours, par exemple, les gens du voyage sédentarisés, en général, ils sont toujours logés dans des zones inondables. Donc c'est des populations qui sont déjà vulnérables, dont on renforce la situation de vulnérabilité. Donc la question, nous, qu'on se poserait à votre place, c'est vraiment comment limiter ces inégalités territoriales et comment faire attention qu'il n'y ait pas une forme de boboïsation, hein, vous comprendrez le néologisme, du territoire ou d'une partie du territoire, avec des néo-ruraux qui sont à la fois dynamiques, qui vont apporter une dynamique et qui vont aussi apporter de la valeur au territoire, mais comment aussi faire en sorte que pour tous les types de publics différents, il y ait une forme d'attachement aussi au territoire et qu'ils puissent être fiers, qu'ils puissent développer une identité territoriale et qu'ils puissent y avoir un attachement à cette ressource territoriale que représente le parc, quel que soit le type de public. Voilà, on en a fini pour nos quatre tensions et je donne la parole à Laurent qui va terminer. Oui, une courte conclusion, plutôt un peu d'ordre méthodologique, c'est-à-dire... pour mettre l'habitant au centre de la réflexion et pour mettre donc les qualités d'habiter au centre, il y a quelques éléments qui doivent gouverner un petit peu la méthode. Le premier élément, c'est que dans les diagnostics territoriaux qu'on opère, on utilise beaucoup la statistique, on n'utilise jamais assez les méthodologies qualitatives, l'enquête ethnographique et la connaissance des habitants, et notamment de leurs pratiques quotidiennes. Et effectivement, c'est déterminant aujourd'hui, le rapport à l'espace des individus s'est beaucoup complexifié. Les gens, par exemple, ont des pratiques très polycentriques, qui articulent plusieurs centralités de différents niveaux, sont souvent multi-appartenants, c'est le terme qu'on emploie pour qualifier des gens qui ont effectivement des territoires d'appartenance qui sont parfois éloignés, parfois disjoints, mais toujours interconnectés. Et c'est important d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement du territoire par les pratiques habitantes, la manière dont les pratiques habitantes structurent le territoire, avant d'agir, c'est-à-dire, et même pour identifier des enjeux d'action. Le deuxième élément, et ça conforte tout à fait effectivement ce que vient d'évoquer Marion, c'est travailler sur des publics, sur la connaissance de la diversité des habitants et des publics cibles. Dans les ateliers du territoire, on a beaucoup travaillé, notamment dans la métropole cannaise, justement à identifier des profils d'habitants qui résident en périurbain et qui ont des attentes vis-à-vis du territoire qui sont très différentes. Donc ça peut être effectivement saisir cette diversité des habitants et de leurs attentes, mais ça peut être aussi d'identifier des catégories en jeu. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de mobilité, qui est un peu au centre de ma réflexion, c'est pas tout à fait la même chose de parler des adolescents, de parler des familles monoparentales ou de parler des ménages vieillissants, hein, effectivement. Et donc, il faut toujours avoir en tête ce souci d'approcher la diversité des habitants et de leurs attentes. Et puis, peut-être la chose la plus déterminante dans une perspective de projection à long terme de l'habitabilité, c'est d'une part traquer l'expérimentation et les innovations qui arrivent par le bas, hein, parce que souvent, alors je parle à des élus, je vais être précautionneux, mais on a effectivement
eu en France une grande tradition, qui renvoie d'ailleurs à une culture longue très moderne, où le savoir, la pensée arrive par le haut. Et effectivement, on se rend compte que, eh bien justement, dans les enjeux de transition territoriale qui s'ouvrent, effectivement, beaucoup, finalement, d'acteurs ordinaires expérimentent, innovent, s'adaptent individuellement, mais parfois collectivement. Moi, je travaille beaucoup sur le covoiturage informel, sur l'autostop de proximité, sur des solutions qui, effectivement, sont inventées par les ménages, par les réseaux d'achat, etc., et qui sont, effectivement, des éléments qui peuvent servir de modèle, ou en tout cas dont on doit discuter, étudier la possibilité de le transformer, de le convertir en politique publique. Donc ça, c'est une voie. Et puis la deuxième voie, c'est de faire de la prospective avec les habitants. Et ça, c'est une démarche qui est hyper stimulante, c'est-à-dire faire des conseils habitants et de placer les habitants dans un rôle de projection, hein, c'est-à-dire comment vous imaginez vivre dans 20 ans, alors sous conditions, avec plus de chaleur, avec moins... avec moins de pétrole, avec peut-être d'autres valeurs. Bon, bref, et justement d'essayer d'envisager les transformations à la fois des pratiques et du territoire par cet exercice de prospective. Et c'est une démarche qui est très intéressante parce qu'elle est extrêmement féconde et en même temps qui permet de beaucoup relier les habitants, quels qu'ils soient, et les élus qui sont aussi par ailleurs des habitants et qui ont aussi des choses à dire. Et ça nous semble être une démarche assez vertueuse pour construire du projet de territoire. Et je crois qu'on peut s'arrêter là, puisque effectivement, produire une charte, c'est produire aussi, d'une certaine manière, un projet de territoire. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions ? Moi, je découvre cette notion d'habitabilité. Je trouve que la prestation est extrêmement performante, un peu rompue à l'exercice de convaincre les élus de regarder à 15 et 20 ans pour être en charge de SCOT et de PLUI. Je pense que dans cette présentation, il va falloir revenir un petit peu dans le concret, ne serait-ce que pour illustrer les propos que vous tenez fort légitimement sur ce qui risque de se passer demain. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas dans la culture française. La notion de projet aujourd'hui est confondue avec la notion de programme, je l'ai déjà dit ici, et c'est un vrai problème culturel. Donc, si vous pouviez, dans votre présentation, faire un petit débriefing sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'intégrer un vocabulaire totalement nouveau, qui n'est pas le vocabulaire du quotidien. Moi, j'entends à longueur de réunion des élus qui me disent « quand est-ce qu'on parle de concret ?» Mais là, il ne s'agit pas de concret, il s'agit du concret de demain. Et si concrètement on ne prépare pas aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de demain. C'est un peu dramatique. Donc j'en appelle à vos travaux de recherche. Je pense que c'est extrêmement urgent cette affaire-là. Merci. Oui, merci. Donc juste une, deux, trois remarques, réflexions que ça m'inspire. C'est vrai que vous nous renvoyez vers un projet de société, finalement. Alors, ce projet de société, il décline ensuite sur un projet de territoire. C'est comme ça que j'ai compris les choses. C'est-à-dire que, voilà. Alors, c'est important, extrêmement important, j'entends bien. Mais c'est aussi extrêmement compliqué, parce qu'on est ici dans une instance qui est une instance, entre guillemets, technique. Et c'est vrai que ces questionnements très, très politiques, en quelque sorte, sont aussi interpellent et on se demande un petit peu comment... alors moi je vois bien, sur des aspects concrets, comment on peut avancer, mais sur l'action collective, on a parlé tout à l'heure de régions, de départements, des cultures différentes, des approches différentes, enfin bon... Tout ça, ça se télescopera au moment des choses concrètes. Donc bon, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi pour ça qu'on s'investit, chacun, pour aussi essayer d'imaginer un peu le futur. Ça nous donne l'occasion d'y réfléchir, mais je partage l'avis de mon collègue. À un moment donné, on est extrêmement aspiré par le concret, trop aspiré par le concret peut-être, mais... du coup, cette réflexion, elle est compliquée
à aborder dans les instances, dans nos instances d'élus. Voilà, il faut. Non, mais c'est peut-être à réfléchir. Le PNR peut peut-être être une source de réflexion. Bon, pour les uns et les autres, on va bientôt être dans une phase préélectorale. Non, mais c'est intéressant, je crois, pour le territoire, en tout cas. Merci de nous avoir un peu ouvert là. Merci de vos remarques d'abord à tous et merci de l'attention que vous nous avez portée. Je trouve que ce que vous soulevez est juste. On le partage aussi dans nos expériences de recherche. Enfin, je ne suis pas au pluriel, mais je t'en veux. Mais ce que je voulais juste dire, c'est à la fois que nous dans le concret, là on était vraiment sur un exercice un peu d'équilibriste, donc c'est difficile. Mais justement, en fait, dans le concret, on rencontre aussi des exemples, alors qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, mais je dirais individuellement, dans une commune, dans une interco, on en voit des exemples de choses qui se passent où justement on est dans une volonté, dans un investissement politique de faire autrement et de penser, de ne pas prendre les citoyens pour des consommateurs. Seulement de la grande distribution, donc ça passe par de l'éducation comme peut faire le parc, par de la sensibilisation. Moi j'ai des enfants en bas âge, c'est fou ce qu'ils sont capables de ramener de l'école, sur le tri des déchets, des choses qui paraissent toutes bêtes. Hein. Donc je pense que les leviers existent quand même, et après je mesure tout à fait la difficulté vraiment de mettre en place, mais ce que je veux dire, c'est que tous, à mon avis, individuellement, vous le faites sur des petites choses, vous portez telle rénovation du quartier plutôt comme ça, vous vous battez pour qu'il y ait une boulangerie finalement dans le village. Je pense que, bon, ça paraît peut-être un petit peu très optimiste de ma part, mais je suis d'un naturel optimiste, mais je pense que dans un parc, avant que toute la France soit couverte par des parcs, comme il était question tout à l'heure, je pense qu'en tout cas, dans un parc, vous avez un outil supplémentaire pour vous aider à le faire ensemble et pour vous aider, en tout cas, à vous dire il y a ça qui est possible, on peut faire ça, tiens, et peut-être lutter aussi contre la mise en concurrence, finalement, dont vous parliez. Et il me semble qu'il y a une solidarité possible. En tout cas, il y a des exemples en France qui montrent qu'on réussit de temps en temps à faire émerger des projets qui, justement, sont un peu un autre projet de société. Mais la chose n'est pas facile. Et ce que je voulais dire sur votre dernière remarque, c'est qu'effectivement, on a souhaité rappeler qu'il fallait mettre au centre les habitants. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit explicitement, mais on fait la différence entre ça et la participation. La fameuse participation qui est dans les lois et qui n'est pas la mise au centre du citoyen, qui est autre chose, Et là, je pense que du coup, il y a un problème parce qu'elle a été dévoyée finalement, cette participation. Et partout, on peut toujours afficher qu'il y a eu des conseils de quartier, que les populations ont été concertées, les enquêtes publiques, etc. Et on sait bien que ce n'est pas une façon de faire remonter véritablement. Ouais, voilà. Donc ça me semble important. Et juste là-dessus, ce que je voudrais dire, mais vous, ça va vous faire une belle jambe, mais c'est pour vous dire que nous, on se bat pour ça. C'est-à-dire qu'on se bat pour pouvoir aussi faire des études qui sont des études, comme disait Laurent, qualitatives, il avait beaucoup de sondes dans le PowerPoint, c'est-à-dire de pouvoir dire, nous on peut venir sur votre, l'année prochaine, dans 2 ans, on peut venir dans votre commune, et pour vraiment pas cher du tout, c'est-à-dire le défraiement d'une dizaine d'étudiants, on peut très bien rencontrer quelques personnes de votre commune et vous donner un peu à voir ce que seraient les sentiments des uns et des autres. Ce ne sera pas l'INSEE, ce ne sera pas représentatif de toute votre communauté. Voilà, on ne sera pas forcément sur des chiffres, mais peut-être qu'on vous dira des choses que les chiffres ne vous disent pas. Et ça c'est notre approche de géographe, en géographie sociale et en géographie qualitative. On se bat pour aussi que finalement le qualitatif est la voie, et on est dans une société où vous êtes tous habitués et on comprend, ce n'est pas votre faute, mais on vous dit. S'il n'y a pas de chiffres, si on a demandé que à 15 personnes, ça ne vaut pas. Mais en réalité, nous, on voit bien que ça apporte beaucoup quoi, de faire ce genre d'études. Enfin, c'était notre pub. On sait traiter les chiffres, mais on sait faire beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc,